Allô, maître? Ici Auguste, Auguste de la Motte. Je vous appelle pour modifier mon testament. Oui, c'est cela. À bientôt. Voici tes médicaments, mon amour. Ah, oh, mon ange doré, que ferais-je sans toi? Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour, Philippe. Tu peux nous laisser, mon ange. D'accord. Asseyez-vous. Philippe, sachez que j'ai toujours été ravie de votre travail. Mais ma femme et moi allons partir. Donc je suis obligée de suspendre votre activité. C'est-à-dire? J'aimerais reprendre les dossiers. En quelque sorte, vous me renvoyez? Oui, en quelque sorte. Eh ben, au revoir, monsieur. Au revoir. Qu'y a-t-il, Philippe? Votre mari m'a renvoyé. Alors que je travaille depuis tant d'années, il me fait ça à moi. Oui, à moi. Je suis déçue de son comportement. Vous connaissez bien mon mari, il est sous d'humeur. Oui, malheureusement, je le connais. Thibaut, il faudra que tu arroses les fleurs. Oui, madame. Et aussi que tu tailles la haie. D'accord, madame. Et surtout, n'oublie pas d'apporter un bouquet à monsieur dans sa chambre. D'accord, madame. Oh, mon brave, ça se passe bien le jardinage? Très bien, merci. Tu fais du bon travail. Merci. Mais ne va pas te tuer à la tâche. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Monsieur, le petit déjeuner est servi. Madame, j'ai une mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il? Votre mari. C'est affreux. Oui, allô? Un meurtre. D'accord. Monsieur de la Motte. J'y serai. Au revoir. À tout de suite. Monsieur Delamotte a été assassiné. Tu sais qui c'est, toi, monsieur Delamotte? Tu ne connais pas monsieur Delamotte? Monsieur Delamotte, non, ça me dit rien. C'est un riche industriel. Bon, bah, allons-y.
Apparemment. Oui. Cache-moi ça, s'il te plaît, Dupuis. D'accord. On va voir encore. Je sais pas ce que le laboratoire va en dire, mais ça sent le poison. On va voir ça. Ah oui, ça sent le poison. D'abord, ça sera au labo. D'accord. Hop ! Et tiens, qu'est-ce que c'est ? On dirait un bout de paille. T'es sûr ? Ouais. Oui. Un bout de paille de chapeau. T'es sûr ? Oui, un bout de paille de chapeau. Oui, effectivement. Allez. Allons-nous-en. On en a assez vu pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Commissaire Dupuis, je suis là pour vous poser quelques questions. Je vous écoute. Est-ce vous qui avez découvert le corps ? Oui, en apportant son petit déjeuner. Depuis quand travaillez-vous ici ? Une douzaine d'années. Est-ce vous qui lui préparez les médicaments à monsieur ? Non, c'est madame. Bon, bah, merci, je n'ai plus de questions. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Commissaire Dupuis. Je vous écoute. Je suis là pour vous poser quelques questions. D'accord. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Ça fait au moins une vingtaine d'années que je travaille pour Monsieur Delamotte. Je suis son secrétaire. Quand avez-vous vu Monsieur Delamotte pour la dernière fois ? Pour la dernière fois ? C'était hier, à 1h de l'après-midi. Pour vous mettre dans la confidence, il m'a renvoyé. Mais est-ce que Monsieur avait des ennemis ? Il en avait sûrement, il n'était pas ami de tous. Vous en êtes sûr ? Vous n'en connaissez pas un qui ne l'aimait pas ? Oui, j'en suis sûre. Bon bah merci. Au revoir. Bonjour madame. Inspecteur Borel. En ces temps difficiles, puis-je vous poser quelques questions ? Peut-être votre travail, monsieur. Depuis quand êtes-vous marié ? Ça fera presque 2 ans. Nous nous sommes rencontrés en Grèce. C'est bien vous qui apportez les médicaments de monsieur ? Oui. Soupçonnez-vous quelqu'un ? Non, mais la dernière personne qui a vu mon mari est Pierrot, le jardinier. D'accord. Merci bien, madame. Au revoir. Inspecteur Borel. Inspecteur Dupuis. Nous sommes là pour vous poser quelques questions à propos de Monsieur Delamotte. Oui. Vous vous appelez bien Pierrot le jardinier. Oui, c'est moi. Mais quel est votre nom de famille ? Je m'appelle Pierrot le jardinier. Si je travaille ici, on m'appelle comme ça. Et depuis quand travaillez-vous ici ? Ça doit faire une quinzaine d'années, je pense. Quand avez-vous vu pour la dernière fois Monsieur Delamotte ? Ça devait être hier matin, quand il faisait sa balade dans le parc. Vous ne l'avez pas vu hier soir ? Non, madame hier soir m'a demandé d'aller lui poser un bouquet de fleurs. Mais je ne l'ai pas vu, il n'était pas là. D'accord, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, inspecteur Borel, commissaire Dupuis. Que puis-je pour vous ? Nous recherchons le nom de famille de Monsieur Pierrot le jardinier. Je ne l'ai pas en tête, mais je peux vous faire part des actes de naissance de la ville, si vous voulez. Oui, très bien. Merci. Que de nom, que de nom, que de nom. Bon bah, je te laisse, Dupuis, hein. Bonne chance. Comme d'habitude, c'est moi qui me tape tout le boulot.
Hey, Bourrel. Oui. Tu sais quoi? Non. En fait, Pierrot le jardinier était le fils d'Auguste de la Motte. Ah oui? Oui. Eh ben, retournons voir le jardinier. Pierrot! Pierrot! Oui? Bonjour. Savez-vous que Monsieur de la Motte était votre père? Je ne savais pas, non. Mais c'est impossible. Et pourtant, si. Non, je vous dis, c'est impossible. Je me suis fait abandonner. Et vous toucherez l'héritage. Donc, vous avez des raisons de le tuer. Le produit. Le bout de paille du chapeau. Allons en parler au frais. Mais bonsoir, mais c'est bien sûr! J'espère que vous aussi vous avez trouvé. Évidemment, le coupable ne pouvait être que Amélie de la Motte, l'épouse d'Auguste. Quand elle a appris le changement du testament du vieil homme, elle a eu peur de perdre toute sa fortune. Elle manipulait le jardinier. Elle a mis du poison dans le médicament du vieil homme. Et puis pour finir, mis un bout de paille dans la chambre du vieil homme appartenant au jardinier. Elle pensait avoir effectué le crime parfait. Malheureusement, ce pauvre Pierrot le jardinier ne fut qu'un homme de paille.